c'est la finale. On va jouer le tout pour le tout. J'ai hâte, mais hâte que ça finisse. Arriver ici, c'est vraiment déjà une victoire pour moi. Donc, je garde l'esprit positif, comme il dit. C'est bon. La motivation, ce sont mes enfants. Et aussi, toutes ces braves femmes avec qui je travaille, qui m'attendent. Mais actuellement, je suis tranquille. Hein, parce que c'est vrai que nous sommes dans une compétition. Au-delà de la compétition, parce que c'est une opportunité de faire connaître l'entreprise. Soulagée, je suis soulagée. J'espère en tout cas que j'aurai pu convaincre les membres du jury sur la maîtrise que j'ai de mon projet. Soulagée parce que c'est pas un exercice facile de parler en public, mais une fois que c'est fini, la pression redescend. Quoi. Je suis un peu plus relaxe parce que faut dire que j'étais vraiment très stressée. Mais là, ça va. Le stress est descendu. Ah, vraiment, je suis vraiment déchargée, un peu déchargée parce qu'il y avait un peu beaucoup de stress quand même. Bon, il faut dire que j'ai constaté avec beaucoup de joie que les membres du jury étaient vraiment préoccupés par la question du riz. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, cette problématique qu'on veut résoudre en produisant un riz local de qualité pour la population ivoirienne. Le numéro 1, Madame Kwaku Micah.